c'est toi qui as vu, ça va bien. Tu sais que je suis pas n'importe qui, hein. Attends, mais comment tu m'as trouvé? C'était cool. C'était cool, non? Mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien fait aujourd'hui même. Hein? Sinon, quand je suis. On était pressé, hein. On était pressé. Sinon, quand j'ai le temps là. Ah non, c'est un moteur à diesel d'échappement. C'est toi. Ah, bébé. Aujourd'hui là, ça va chauffer, hein. L'hôtel où on va là, le matelas est bien mou là. Ah, bon, c'est fini, oui. Donc ça va. Mais comment tu as su que c'est aussi mou? Non, c'est ce qu'on m'a dit. Sinon, je suis jamais venu. C'est ce qu'on m'a dit. C'était voilà. Hein. C'était rien. Mais ton mari, il connaît rien. C'est que j'ai fait au ça, ce n'est rien. Mais faut prier Dieu. Quand ton mari va l'envoyer, il a fait moi signe seulement. Ça sera spécial, hein. Ça sera spécial. Tu vas oublier ton mari même. Tellement, non, tellement ça sera spécial. Hey. Non, bébé. Les petits filles du quartier me connaissent. Quand je les prends. Non, bébé, non, pas de fâcher ça. Non, c'était avant. J'ai changé maintenant. J'ai changé maintenant. Hein? Moteur à diesel d'échappement. On me conduit aujourd'hui. Moi, je n'ai pas dit pas dans ça. Hein? Voilà. Oh, ton mari, c'est un imbécile. Un coquille comme ça. Il y a des hommes comme toi, comme ça, là. Ça s'entretient. Non, tu as changé. Ah, oui, j'ai changé. Bien sûr. Non, j'ai changé. Il faut avoir confiance en moi. Tu as compris. Aujourd'hui, on va bien tromper ton mari. Tu as compris. Hé, bébé. Il ne sait même pas comment traiter une belle femme qui a du calu. Non, mais tu sais que tu as un beau sourire. Mais chaque fois qu'on est à la maison, moi je te regarde, tu vois, je vois que tu es tellement belle que ma femme. Mais tu es bien que ma femme, hein. Tu es 10 000 fois mieux que ma femme. C'est qui ça? Chérie. Viens ici. Tu fais quoi avec nous là? Tu fais quoi avec le voisin ici? Vous êtes où? Tu fais quoi ici? Toi tu viens d'où comme ça? Tu me déçois quand même, hein, mon vrai. Petit Marou. Non, tu viens avec le voisin à l'hôtel ici. Toi tu viens avec la femme du voisin à l'hôtel comme ça. Ça fait quoi? Si moi je viens avec le mari du voisin, ça fait quoi? Mais qu'est-ce que moi je ne te donne pas à la maison? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, ma femme, c'est ma femme mariée qui est là. Ma femme mariée qui est là. Mon frère, viens t'arrêter ici, hein. Faut t'arrêter ici, tu vas te loin de moi. Attendez, vous deux, c'est vous-même. Je suis très vigilant. Non, je sais que tu es vigilant. C'est parce que vous voulez. Oui, tu es toujours vigilant. Je vous cherche depuis avant-hier. Ce que moi je lui fais à la maison, ça ne la suffit pas. On dit, on vous cherche. C'est pas de ma faute. Je suis là, vous n'allez pas venir ici. Oui, toi, tu es quand même. Mais vous êtes là, moi j'ai décidé, tellement que vous êtes mes beaux clercs, j'ai décidé de vous donner 2 jours gratuits chacun. Allez voir. Ici là, ça marche, wassa. Voilà, ici là. Non, bon, attends, tout ça c'est bien. Ici là, vous venez pour vous faire plaisir, mais toi, mon gars. Tu vois pas ma femme ou bien? Gérard. Tu vois pas ma femme ou bien? Gérard. C'est là, ça va. Comment j'ai perdu un beau client devant ma femme? Gérard, tu sais ce que je passe. Ça, c'est mon mari. Il est quitté ici avec ma femme tout de suite. Attends. Moi aussi, je vais venir avec sa femme. Là, ça fait match. Moi, j'ai rien compris. Il a tapé ma femme, moi aussi, je dois taper sa femme. Celle-là, c'est ma femme, c'est pas là. C'est mon halal. Bah, j'ai dit que tu peux avoir ça. Moi, je la prends. Mais quel est le problème? Moi, je la prends. Tu t'as pour lui, t'as pour toi. Ça fait moi aussi. Sois gentil, tu as fini de faire ça. Voilà. Quel est où? Non. Tu sais comment il fait pour avoir ça là? Tu sais comment il fait pour t'avoir? 40 ans, il a acheté ça.